Ce soir, Planète Rap, Kobalade et Zola. Passez une bonne soirée et bienvenue dimanche soir. D'habitude, c'est lui, tu es avec Corentin que je salue. Mais ce soir, c'est une spéciale. Et quelle spéciale ? Ils sont deux, ils viennent de sortir un projet tant attendu. Et pourtant tellement surprise aussi quelque part. Frères ennemis, il s'agit de Monsieur Zola et Kobalade. Comment ça va, messieurs ? Ça va et toi, mon frère ? Voilà, voilà, ça se serre la main dans le studio, bien sûr. Ouais, c'est important, c'est important. Mais c'est important, et vous savez quoi ? Vous faites du bien. Et alors, pour plein de raisons. On va le dire tout de suite, parce qu'évidemment, moi, je pensais pas ce projet réalisable il y a encore quelques mois. Non, non plus. Il se trouve que, évidemment, et tu l'as beaucoup développé dans les différentes interviews, il y a eu un drame dans ta famille, t'as perdu ta maman, et Koba t'envoie un message qui te touche. Et à ce moment-là, vous vous reparlez tous les deux, mais il n'est même pas question de business, il n'est pas question de faire un album à ce moment-là, on est d'accord jusque-là. Et puis, à force de discussion, il y a quand même un truc spontané, vous allez en studio. C'est un peu ça, j'ai résumé très rapidement, mais c'est ça. C'est venu assez vite après le message. On y a pensé directement, les managers ont pensé business, et quand ils nous ont exposé l'idée, on s'est dit go. Ouais, mais tu sais ce qu'il y a de bien, c'est que parfois on peut parler business et dire bon, bah, on fera ça dans 6 mois, on fera ça dans. Ou alors tu vois, tu peux être sur un truc, parce que il y a aussi des choses à préparer pour cette année 2024, toi pareil, Koba. Et non, finalement, vous y allez quand même. Vous partez, vous isolez un petit peu en Espagne. Ouais, en fait, on était dans un contre-la-montre. On choisit quand même Koba, quand même une destination qui n'est pas dégueulasse. Il faut la bonne inspiration, bien sûr. Ouais, on était dans un contre-la-montre. On s'est mis d'accord fin septembre et il fallait envoyer il fallait que le projet soit prêt pour être annoncé le 18 novembre. Donc on était dans un. Pour ton Zénith, en effet. Exactement. C'est là où on l'a annoncé. Qui était incroyable aussi. Alors, ça, c'était aussi un truc de fou parce que petite vidéo, là, ça m'a fait penser au Up in Smoke Tour, évidemment, avec Dre, avec Snoop à l'époque, que vous avez peut-être pas connu, vous étiez très jeune à l'époque. Ouais. Mais il y a une vidéo et c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi, évidemment, avec la vidéo. Toi qui arrives sur scène, qui rejoins Zola. Et on peut le dire, l'émeute totale, quoi. Enfin, c'était fort, ça donne des frissons de fou. Entre surprise, entre les gens, je pense que le téléphone a dû sonner, il y a eu des messages juste après. Ouais. Même les gens qui étaient avec moi en loge, ils ont pété les plombs. On a de grosses discussions après. Ouais, ça a fait plaisir à tout le monde. Ah, bah en plus, je crois que vous avez gardé quand même le truc un peu secret, donc il y avait très peu de personnes dans la confidence. Personne au courant, non, personne. Quasi personne en vrai, à part nos équipes. Sinon... C'était important de garder le secret, fallait pas que ça fuite. Donc, ouais. Bon, ça s'appelle résultat, ça s'appelle frères ennemis. Alors on aurait pu aussi avoir peur, se dire est-ce que ça va coller, et ça colle vraiment bien. Merci. Du premier au dernier morceau, il y a 15 titres. Il faut aussi rappeler qu'il y a des éditions qui sont sorties vendredi dans le commerce. Alors, avec ta pochette, avec ta gueule à toi Zola, avec ta gueule de Koba aussi, et avec à chaque fois des inédits, et puis des morceaux aussi qui sont centraux, comme par exemple Synthèse ou Mexicana, qui sont vos solos respectifs. Et il y a aussi deux autres solos de chacun dans les différentes versions. Deux exclus chacun. Ouais. M'annonce que ma seule inquiétude, c'est que finalement votre histoire, parce que quand on reprend l'histoire, histoire d'ego, c'est lui qui a dit ça, et puis ça vous gonfle un peu le cerveau, machin et tout, c'est qu'aujourd'hui vous avez fait un album, est-ce qu'il va pas y avoir un problème avec les messages qui arrivent en disant ah mais moi je préfère Zola, je préfère Koba sur projet, est-ce que de nouveau vous allez pas vous prendre la tête les deux? Justement, c'est la hype mon ref, plus il y a de comparaison, plus il y a de stream, plus il y a d'écoute, et mieux on est. Non, parce qu'on est d'accord, c'est con de se prendre la tête pour ça. Même à l'heure actuelle, on se sait, lui et moi, t'as vu ou pas? Bien sûr. Frère, on se comprend très bien, ça veut dire que vas-y, bon, ça y est, c'est fini l'époque où les gens ils pouvaient rentrer dans nos têtes et réussir à faire du bazar, t'as vu ou pas? Eh bien, c'est beau. Merci à vous, en tout cas, pour ce projet qui est disponible. Et pour ceux qui n'ont pas, peut-être les quelques oreilles qui n'ont pas encore entendu ce projet, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Planète rap. De temps en temps, je filme la peur. Le pédo me fait mal au crâne. Putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs. Depuis que je Planète rap. Dans le Kimi ou dans le Rari, je te parle seul. Lâché dans Paris, doré dans le carré. Tu me racontes ta vie. Elle a
pas trop de suivi. Ils le savent, fait comme s'ils savaient. Planète rap. Planète rap. Couteau dans la descente. J'vais pas faire descendre. C'est que nous dans Paris. Oh putain, merde, c'est pas vrai. J'peux plus revenir dans le passé. Planète rap. On refourque tout, la douce à la drogue de synthèse. Toi, tu fais que des flops, ta carrière entre parenthèses. Au quartier, y'en a qui sont bêtes, mais tu connais, je les baise. Planète rap. La même qu'elle avec ses cœurs. Tu plais en nid avec ses cœurs. Ouais, maintenant c'est clair. Planète rap. J'en sais ton billet. J'm'envoie les coups des bien habillés. Les bijoux pour mon bébé. J'le garde sur moi pour nous protéger. Planète rap. Vous la tous avec un club. Vous la tous avec un club. Si elle veut, elle peut niquer ma vie. Un coup de giro, j'suis pris de panique. Un coup de giro, j'suis pris de panique. Planète rap. J'ai vu des démons dans la nuit. Je les ai vus prendre mes amis. Je les ai vus prendre mes amis. Ne jamais me les ramener sans demander mon avis. Je n'ai pas loin de Paris, mais c'est loin du cœur de la vie. Planète rap. Encore une histoire de love. C'est charbon qui m'a formaté. Je peux pas changer. Une fois la détente brisée, c'est plus pareil. C'est charbon qui m'a formaté, je peux pas changer. Est-ce que vous êtes fiers de cet album, les deux? Est-ce que vous êtes contents? À la mort. Pour de vrai, gros. Fier de l'album, de vrai, et fier de l'histoire qui est autour. Complètement. C'est fait rapidement, mais on a beaucoup, beaucoup bossé, t'as vu? Et bah, le résultat, il est là, mon ref. Frères ennemis, c'est le nom de ce projet qui est disponible. Depuis vendredi dernier, il est sorti. Je sais pas comment t'as fait, Zola, mais tu m'as calmé, Koba. D'habitude, il est toujours excité, il me casse des micros, il rote. Elle est tout calme. Je sais pas quelle est la potion que tu lui as donnée, mais tu risques. Hein ? Bravo, Zola, en tout cas. Merci de ton aide. Ça l'a fumé dans l'atmosphère. Mais non, il paraît que toi, c'est fini. C'est bon. Bah, tu connais, en ce moment-là, j'arrête la clope. Le bédo, j'ai laissé ça. Bravo. On essaye d'avoir une bonne ligne de conduite. Hygiène de vie. Vous entendez l'équipe, c'est ça qu'il faut faire. Un peu de repos. Un peu de... Voilà. On est conditionné. Dans le bon. Dans le bon. Quel était le premier morceau que vous avez enregistré d'ailleurs de cet album? Un billet. Tout premier. C'est un billet? Ouais, c'était un billet. C'était un billet? Un billet. Ouais, je me rappelle. Un billet. Ouais, tiens, heureusement. Non. C'était pas un billet. Ah, voilà, c'était pas un billet. Je me rappelle, c'était un billet. C'était un billet. Pour de vrai, c'était un billet. Je me rappelle. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais? C'était pas parano. Non, c'était un billet pour de vrai. Beaucoup d'essais, c'est-à-dire? Non, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais sur avant de la tracklist finale? Est-ce que vous avez enregistré d'abord beaucoup de morceaux pour, je sais pas, pour un petit peu comme le vélo, quand tu oublies le vélo, tu vois, tu repars. Là, c'est quand même un exercice aussi. D'habitude, vous enregistrez seul. Là, c'est un exercice à deux. Est-ce qu'il a fallu tester un petit peu? Comment ça, tester? On doit avoir une vingtaine de morceaux. Un peu de maquette. Tu sais, faire un peu de maquette avant. Une mise en route, quoi. Après, c'est pas des questions de mise en route ou pas, ça s'est fait tout seul en vrai, t'as vu quoi. Mais il y a plein de morceaux. Hein. Non mais je suppose que la façon de travailler est pas la même, vous n'avez pas la même façon de travailler tous les deux. Si, pareil. C'est le même état d'esprit en tout cas, t'as vu ou pas. On n'écrit pas de la même manière, t'as vu ou pas, mais on se rejoint toujours en vrai dans nos idées. Faut avoir la prod avant. On se met d'accord, on fait tout au studio, gros. On se met d'accord. En fait, on arrive au studio, on se met d'accord sur une prod. Voilà, il la kiffe. Moi, je rentre. J'écris dans la cabine, moi. Et lui, il a besoin d'écouter la prod en régie, en studio, fort. Il s'ambiance dessus, il écrit dans sa tête. Une fois qu'il a son texte, il va après moi. Et une fois qu'il sort, je vais après lui. Et ainsi de suite. Mais c'est vrai que alors ça n'a pas changé. Comment toi, t'es tout en tête. Ouais. Pour enregistrer. Ouais. Pas d'écrit, pas de. Non. Zéro. Tout est en tête. Tout. Ça, tu confirmes aussi, Koba, c'est impressionnant ça quand même. Ouais, hier on était au studio, il a fait ça quand même. Il peut te faire tout un morceau comme ça, tout. Tout. C'est comme ça qu'il l'est fait, ouais. Quel talent, bravo. Merci. Les gens, vous avez vu cette réaction des gens quand même quand vous avez annoncé ce projet en commun? Le public?
Voilà. Si j'ai eu des frissons, même moi, j'imagine pas les gens. Là, frère, la réaction des gens, c'est même la réaction des personnes proches de moi, ah, c'est ouais. Pareil, c'est pareil pour tout le monde. Moi, j'arrivais pas à y croire. Quand j'ai vu, en plus, au Zénith de Paris, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un faux, c'est un sosie de c'est pas possible. On a tout tué. T'as Matt Kay, ça fait depuis longtemps. Et tu l'avais dit ? Matt Kay, c'est ton forgeur. Ouais, si je l'avais dit. Si je l'avais dit, Matt. Pourquoi ? Parce que tu penses qu'il était surpris aussi, tu l'as vu, tu l'as croisé. Non, c'était pour savoir s'il était au jus ou s'il était. Nous sommes-nous partis dans la rue demander aux gens ce qu'ils pensent de cette réconciliation, en tout cas de votre album en commun, Frères Ennemis ? La réponse maintenant, c'est le micro-trottoir. La réconciliation entre Koba et Zola en un mot. Terriblement surprenante. De la frappe en vrai. En vrai, c'est génial quand même. Lourd. Choquant. Symbiose, moi je dirais. Impressionnant. Mythique. Promo, je crois. Ça fait plaisir. Bah bien, je les aime bien tous les deux, donc top. Hein. Et sinon, quel est votre avis sur leur réconciliation ? Ouais, je pense que personne s'y attendait vraiment. Premier degré, je pense qu'il n'y a aucune personne au monde s'y attendait. Ouais. Et je pense que c'est, en vrai, c'est lourd pour, juste pour le rap français. Et vous savez, c'est deux bons artistes en vrai, donc en vrai, c'est cool. Ça fait du bien de voir un peu qu'en vrai, le rap, c'est tous le même monde, on vient tous du même endroit. Du coup, là, non, en vrai, ça fait du bien, je trouve. En vrai, c'est mature qui prennent le courage de se réconcilier. Même, je dirais que c'est vraiment une fierté d'avoir mis son ego de côté et d'accepter de se réconcilier. Je pense que c'est une vraie réconciliation, parce que même quand on voyait les vidéos, genre, ça se voyait, ils étaient contents en fait d'être potes. On dirait qu'ils avaient toujours voulu être potes. Allez, c'est parti, on s'écoute un extrait. Déjà dans nos playlists, donc on l'aime bien. Franchement, c'est leur image, c'est ce qu'ils font en fait, donc. Non, j'aime bien. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la fusion se fait assez bien. T'as les ellipses de Koba sur la partie de Zola qui rendent assez bien. Après, ils gardent leur identité tous les deux. Moi, j'aurais dit qu'on retrouve un Koba comme à ses débuts, tu vois, quand on l'a connu. Et j'ai l'impression que Zola, il s'est un peu détaché de son image un peu NBA Youngboy. Tu vois, il a trouvé un peu son truc à lui. Il a trouvé son timbre de voix. C'est lourd, en vrai. Moi, je kiffe. Voilà donc pour les réactions. Alors, est-ce que ça fait plaisir? Plaisir de jour. Hein. Est-ce que ça fait carré, plaisir? C'est carré, 100%. C'est carré. Il n'y avait pas de haters, zéro haters. Mais non, il y a zéro. Mais attends, c'est ce que je disais. Et en plus, non, mais le truc qui est important, mais les gars, ce qui est aussi important, c'est que symboliquement. Ça me fait trop plaisir. Vous venez de la même ville, vous venez du 9-1 tous les deux. Ouais. Je trouve que symboliquement, ce que vous envoyez comme image en disant, voilà, parfois on peut s'embrouiller, mais même entre quartiers, ou même d'ailleurs dans le même quartier, pour des conneries, des trucs, lui il a dit ça, l'autre il a dit ça, machin, et ça s'engraine très vite. Là, ce que vous faites, je trouve que c'est, voilà, c'est beau. Non, mais c'est important de le souligner aussi. Moi, je sais que on va partir un jour. Moi, je voulais que ce projet il existe avant. Je voulais que ce projet il existe, simplement. Il existe. Pour marquer l'histoire, tu connais. Ça va trop vite. J'ai vu que la vie elle allait trop vite. Et voilà, si on peut faire ce projet, on le fait. Toi, Koba, pareil aussi. C'est. Vivez, mon ref. Pour la culture, mon ref. C'est ça, non, mais c'est important. Bah ouais, gros. Et puis, même symboliquement, ce que vous envoyez comme message. Bien sûr. On n'est pas bien des sûr. Mecs parfaits, mais bah. Moi, même pour les si jeunes. On peut donner un peu de bon sens à certaines choses. Exactement, même pour les plaisir. Jeunes, même pour les types, vous voyez. Tu connais des mecs quoi. Parfaits, franchement, Cobain. Si ouais, nous on a tu pu... connais, gros. Si nous deux, on a pu se remettre d'accord. Nous deux, on a pu s'entendre et se remettre d'accord. Exactement. Ça peut être le cas tout le monde. Et ça, aussi. Je pense que c'est important aussi. C'est important de le signaler. Tu me vannes souvent là-dessus, traverser les siècles aussi dans le rap. Hein. J'en ai vu, et peut-être qu'à une époque, justement, il y a. D'ailleurs, les albums en commun, quand tu regardes les albums en commun dans le rap français, ça existe pour le coup aux États-Unis hein, depuis de nombreuses années. Il y en a eu. Alors, si tu remontes dans le temps, t'as eu des gens comme Ol' Kinry, Danny Dan qui ont fait des albums en commun, L.I.M., Alibi Montana, etc. Là, il y en a en ce moment, c'est vrai qu'il y a des sorties d'albums en commun, mais c'était pas non plus trop dans la culture du rap français, voilà, de sortir des albums en commun. Ouais, ça commence à se faire, là. Ouais, là, il y en a. Là, c'est ce que je disais. Il y a quand même. Voilà. Ouais, qu'il y a des cool. Beaux artistes qui se réunissent ouais. Mais il n'y a pas ça je trouve. En tout cas il manquait un petit peu de ça. Il manquait des projets comme ça. En tout cas avec des artistes forts aussi voilà. Vous avez aussi bien vu, merci. Les gens qui vous suivent mm-hmm. Et c'est à la hauteur ce projet. Mais nous ce qui peut nous différencier des autres albums en commun que tu vas voir c'est le storytelling qu'il y a derrière tu vois. Parce que c'est facile de réunir deux artistes. Mais deux personnes qui de base ne s'entendent pas. C'est différent tu vois. C'est plus compliqué voilà. C'est plus compliqué sans nous jeter de fleurs. C'est un bon point pour nous ça donne du grain en fait à l'histoire. Ça s'appelle Frères Ennemis. Le projet il est disponible avec en plus si vous allez dans le commerce le chercher avec des versions collector. Il y a la pochette Zola, la pochette Kobalade. C'est important. Et il y a des morceaux évidemment en commun. Notamment celui-ci, moi j'adore celui-ci. Amiri Jeans. Il déchire. Hein. Ah, il est fort celui-ci. Ah, on l'écoute maintenant. Déchire. Chaque jour, je
chaud, j'ai chaud. Je m'amuse aux palettes sans rame sur le boulevard. Pas de keuf en vue, on baroque comme à Baltimore. J'sais comment faire des dalles avec un jambe dans la main. Tu vois dans mon regard, tu vas bien sur ma maman. Beaucoup d'efforts sur moi, mais je serai plus comme avant. C'est plus mon gars et devant mon canon. Je rêve de l'as de brise. On va aller chercher S, on va tomber du canon. Avec des dealers, je suis dans des fichiers S. J'ai peut-être un micro dans ma caisse. Une salope, des salopes dans ma suite. Tu bourrais, je suis tout nu pendant que tu vis de mon stress. Ça passe que c'est serré, on voit y'a rien de serré. J'y serai, ces batailles disent que j'ai serré. La camance sachée, y'a des seringues. Le prendre du pays juste parce que j'ai souri. Chaque jour, je veux devenir quelqu'un de meilleur. Chaque jour, j'échoue. On sort les outils des pays, d'ailleurs on tend pas la joue. Force les enculés, j'force le barrage, j'peux pas reculer. Force les fausses pierres sur vos collets. J'claque des peines dans des divises. J'vois grave les chicots du bijou. J'ramène dans le pyjama, Amir et Jean plein d'argent. Zola cop c'est bon déjà, Zola cop c'est bon déjà. Amir et Jean plein d'argent, aucun cul clope dans le darçon. Zola coba sur le même son, les problèmes des grands garçons. Je prends pas un sou. Ta journée de salaire c'est mon essence. Quand je te fais la barre elle ferme le sourd. Elle voulait que ça donc j'ai donné que ça. C'est vrai j'ai percé mais je suis toujours dans ça. Toujours la pression quand je règle que ça. Je peux plus la rebaisser, je peux plus remettre ça. En fait son gars vu et les coups c'est quoi ça. Cliquez cliquez bande de salopes. Faudra m'éteindre, personne va galoper. J'ai donné RTV à un mec pour le carotte. Et il voulait me carotte aussi. Plus je fais des pas plus ma qui s'arrosit. Libérer mes gars, ouais, libérer mes jeans. Ou pénérer de bas, je me fais chier pour des 10. Chaque jour je veux devenir quelqu'un de meilleur, chaque jour j'échoue. On sort les outils des pays, d'ailleurs on tend pas la joue. Faut que ces enculés, je passe le barrage, je peux pas reculer. Faut que les fausses pierres sont vos collées. Je claque des bends dans des divises. Je vois grave les chicots du bijou. Je ramène dans le pyjama, Amir et Jean plein d'argent. Zola cop c'est bon déjà, Zola cop c'est bon déjà. Amir et Jean plein d'argent, aucun cul de clope dans le darçon. Zola coba sur le même son, les problèmes. Paramine dans le pyjama, Amir et Jean plein d'argent. Zola cop c'est bon déjà, Zola cop c'est bon déjà. Amir et Jean plein d'argent, aucun cul clope dans le darçon. Zola coba sur même son, les problèmes de grands garçons. Amir et Jeans à l'instant. Cobaladé, Zola, ils sont avec nous ce soir dans Planète Rap exceptionnel en ce dimanche soir entre 20h et 21h, juste après les avoir entendus dans la radio libre de Difoulement. Dans le morning de Difoul, c'était vendredi matin, et on revient dans un instant sur Skyrock juste après ça. Je m'appelle Apple sang, tu fais ce qu'il est problème. Dès que la quand ça baisse, si je fais un test et que je te laisse derrière, je suis sûr que tu vas me la mettre. Salopette, va t'y retourner ta veste. Donc ça sera plus pareil, donc ça sera plus pareil. Ils osent dire que j'ai changé, ouais c'est le monde à l'envers. Ces fils de pis sont bizarres. Quelquefois je me sens baisé. On se lève tôt, on se couche trop tard. La haine acquise nous bousille. J'arrive bourré dans le support. Je dégaine un glock, je dégaine un blunt. Et comme je suis pas un bouffon, du coup j'ai fait justice moi-même. De temps en temps je fume la peur. Le pédo me fait mal au bras. Putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs. Depuis que je rappe, je peux pas être stable. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes miens. Et je garde les miens très proches de moi. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes biens. Et je garde les miens très proches de moi. J'arrive bourré dans le chepoir. C'est encore pire quand je repars. Je veux pas voir ce que j'ai vu. Moi non plus, mais c'est trop tard. Je fais métal matin. Toi t'es bloqué sur avant. J'ai pas changé, qu'est-ce que tu racontes. J'ai grave d'étal mais je me la raconte. C'est pas faire de taille, t'es un coup de train. On chasse la monnaie comme si on a pas. Personne se connaît quand demande le star. J'ai des photos de poteaux quand ils scoutent. Aussi je me déplace, c'est sûrement pour l'argent. J'pose des photos de moi avec ce pétard sans les gants. De temps en temps je fume la peur. Le bédo me fait mal au crâne. Putain de merde, rien que j'enchaîne les meufs. Que je rappe, je peux pas être stable. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin. Je garde un oeil sur mes biens. Et je garde les miens très proches de moi. Même si je suis loin, faut que je recharge le tartin.
cherche le tartin. Je garde un œil sur mes biens et je garde les miens très proches de moi. De temps en temps, je fume la peur. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap entre 20h et 21h. Ce morceau, de temps en temps, qui est extrait du projet Frères Ennemis de Kobalade, Zola. Ce soir, c'est une spéciale au lieu du VTUS. Merci à Corentin pour nous avoir laissé cette place. Est-ce que c'est le gros hit du projet, celui-ci, de temps en temps, les gars? Le gros hit? Oui, tu sais, il y a toujours un morceau autour d'un projet. Avec des hits dans le projet. Bah ouais, c'est mais compliqué, est-ce ça. Que, non, mais parce que celui-ci, est-ce que celui-ci, c'est vraiment le gros gros? Est-ce que c'est celui qu'on dira, voilà, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est ça, le classique? Tu dis ça parce que c'est, parce qu'on l'a clippé, t'as capté? Si on aurait clippé Parano à la place de temps en temps, t'aurais dit ça pareil de Parano. Non, mais il en fait partie, j'ai envie de te dire. Après, moi, j'ai envie de te dire Amir Jean, ce qu'on a écouté aussi juste avant, qui est un gros hit aussi. Bah ouais, un gros titre. Frères Ennemis. De temps en temps, il en fait partie des plus, un billet. Gros, plus gros hits. Les gars, un billet. Un billet, par contre, c'est vraiment à part. T'as capté, lui. Un billet. Il est à part, lui. Attention. C'est non. C'est pour un billet. C'est non. C'est pour un putain de billet. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il y a tellement de gros morceaux comme ça que je t'ai dit que c'est pour ça que. Mais ouais, de temps en temps, il est lourd. Quelle est l'histoire de temps en temps? Quel souvenir vous gardez de temps en temps? Vous êtes où à ce moment-là? C'est quoi, en Espagne? Laisse tomber. Carrément, vous allez. Tu vas dire. Ils vont dire, on ment. Si je te raconte. Raconte. Laisse tomber. Ils vont dire, on ment, mon rêve. Putain. Celle-là. Putain, c'est quoi, temps en temps? Je sais pas si on peut la dire. Je sais pas si, 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 on peut la dire. Mais on peut la dire. On peut la dire. Frère, dans le bon, frère, on était pas en France, ma gueule. T'es d'homme, gros. On sort du télo, on va aller à l'épicerie. T'as capté ou pas? Toi, t'aimes bien les épiceries, c'est vrai. Chaîne, ice. Chaîne sur moi, montre sur moi. Il a tous ses bijoux qui brillent. Moi, j'ai des montres en or. Laisse tomber, t'as capté. C'était où à l'époque? C'est où ça? C'était là, là, Playa del Carmen. Ouais, je sais pas, c'est où, voilà. Playa del Carmen. Oui, Mexique. Ouais, bah, on est au Mexique. Mais on était dans quelle. Dans quelle ville? Playa del Carmen. Playa. En dessous de Cancun, vers Cancun. Voilà. Ah, gros, laisse tomber, mon ref. Voilà, laisse tomber, mon ref. Parce qu'on sait quoi, nous? Bon, voilà, l'épicerie, t'as vu? Tard le soir, t'as vu? Bien sûr. Maintenant, l'hôtel, t'as capté? L'hôtel, il est au bout d'une allée, frère. Je viens de retirer. Genre, il est au bout d'une allée. Et genre, l'allée, elle est. Déjà, l'allée, elle est bresson. Bresson. Ça veut dire qu'avec Banks et Noski, on marche. Et en plus, c'est moi. En plus, je leur racontais. Je sais plus quelle histoire de con je leur racontais, mais je leur racontais une histoire, t'as vu ou pas? Et maintenant, tu connais les uns que t'as capté. T'as capté. Ça sent la frappe, t'as vu ou pas? On fumait une cigarette parfumée. Bien sûr, c'est. Bien sûr. Là-bas, ça veut aussi, dire gros. Il existe du CBD, bien sûr. Vas-y, continue. Gros charger qui arrive. Gros charger, un Dodge Charger des keufs qui arrivent. Donc les keufs arrivent? Les keufs, ils passent devant nous une fois. T'as capté ou pas? Ils passent devant nous une fois, ils nous voient dans l'allée. Zin, qui font demi-tour, ils reviennent, ils nous foncent dessus. Là, je me dis, ouais, dinguerie, t'as capté ou pas? Mais on est en plus vas-y, ça essaye de cacher tous les bails, t'as capté ou pas? Ça fait des techniques de ouf, gros. Des techniques de ouf, gros, laisse tomber. Ils nous disent quoi, ouais, marijuana. Hora de détention. Moi, je dis non, marijuana. Non, marijuana. La codée, elle fait quoi? Regarde les doigts. Elle prend la main. Elle fait ça. Sans ta main. Et elle a dit quoi? Elle dit marijuana direct. C'est maintenant. Sorti du distributeur. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas fait les 30 horas de Detonson. Je suis parti sans mon pognon. En fait, ouais, c'est réglé. J'en faisais filer la thune et les mecs se sont dit bon. Ah oui, toi, tu me sortais du distributeur. T'as sorti de la banque. Ah, ça a dû faire mal, ouais. Parce que là-bas, Mexique, oui, c'est un peu arrangement. Bon, écoute, marijuana, mais. Ah, pull de fou, mais combien de fois? Ils sont gangsta. Mais no problemo si je file la monnaie, ouais. Ah, ils sont gangsta, gros. Ah, ouais. Ah, ils sont gangsta. Et puis, hop, tu plaisantes pas trop non plus avec eux, je pense. Ah, ils sont gangsta. Tu vois, si tu vois, on connaît des pays où tu peux. T'as capté? Non, là, ils sont gangsta, mon ref. Là, ouais, c'est là, c'est file l'oseille, sinon je rentre. C'est Frères Ennemis, c'est le nom de ce projet. Tiens, d'ailleurs. Koba, quand il vient souvent, il aime bien jouer à un jeu.
Toi Zola, t'étais venu pour un... t'étais venu aussi pour un dimanche pour un Planète Rap. Je crois pas qu'on ait fait de jeu. Mais on va faire un qui connaît les lyrics entre vous deux, c'est parti. Qui connaît les lyrics? Qui connaît les lyrics? Mais attention, ce ne sont que vos morceaux. Donc ce qui veut dire que quand ce sera le son de Zola, c'est toi qui joues Koba. Faudra retrouver les lyrics manquants. Et quand c'est... Trouvé. Bah attends, c'est que des morceaux de Koba avec à un moment des bips dedans. Hein? Par exemple le premier. Toi tu joues pas, forcément tu joues pas. Là il y a que Zola qui joue. Je rappelle qu'il y a un cadeau d'une valeur inestimable à gagner à la fin. Mieux que ce qui s'est passé au Mexique. Zola. Oh, moi à chaque fois je vais essayer, tu me parles de cadeaux, j'ai jamais vu aucun cadeau. T'as déjà raflé plein. J'ai toujours gagné, jamais on m'a dit tiens Koba ton cadeau frère. Zola, c'est pour toi celui-ci. Il s'agit de Ténébreux 1. Vas-tu retrouver les lyrics manquants? C'est sûr. On y va. Tu fasses la merde, qui t'apprend des coups, faut que tu fasses dans le tas. J'ai pris l'habitude de me lever tôt et j'ai placé des guetteurs sur le toit. Devant le 9, tu changes de ton. Elle m'envoie sa chèque et c'était tout. J'ai compris que je dois plus perdre de temps. Je braque, je ramasse et je me casse aussitôt. On n'est plus des têtards. Je t'en f. Poto, j'ai pas le bon temps, mais c'est les blacks. Elle kiffe cette grosse. On n'est plus des têtards, non. Cette grosse pute. Ah, on aurait eu la totale. Tu t'enflammes? On t'éteint. On t'éteint, la réponse tout de suite. Mais oui, mais oui. On n'est plus des têtards, non. Tu t'enflammes, on t'éteint. Un point pour Zola. Koba, c'est à ton tour. Il va pas trouver mes sons. Comment foutre la merde dans les deux, là, frères et ennemis? Le nom de l'album, je me rappelle, est disponible. Morceau Papers. Si, celui-ci, quand même. Je suis le V à tirer, mais comme le géant du ghetto. Cagou les gars dans la porte, hors de question que mes palais. Je ressorte pendant l'enquête. C'est la monnaie qui gâche ma vie. J'ai pas dû. Honnête. Je rabatte aux commandes du navire. Merci Zinc. Voilà, et oui, évidemment, c'est la bonne réponse. Un partout. Je rabatte aux commandes du navire. Je rabatte aux commandes du navire, bien évidemment. Un partout. Un partout pour l'instant. Koba, tu dis rien. Vas-y. Zola, c'est à toi de répondre. Ouais, c'est celui-ci, normalement, je pense que tout le monde l'a. Daddy Chocolat. T'es mal gamos, t'es mal 4 ou 6. Je veux dedans, je la mets toute nue. Si je veux dedans, je la mets toute nue. Pour ça, merci, ça porte malheur. Façon, on est maudit. On est maudit. Y'a du CP, y'a du Gucci. J'arrive plus dans la Ferrari. Putain. Aïe. Attends, putain. On est maudit, y'a du CP, y'a du Gucci. J'arrive vite dans la Ferrari. Putain. Mais aussi, regarde le passage que je prends aussi, Fred. T'aurais pu mettre un passage plus facile. Je sais. Il y avait un partout pour l'instant. Non. J'arrive vite dans la Ferrari. Putain. Non, y'a pas putain. Non, je peux pas te dire alors. On va pas venir comme la mort. Dans la Ferrari. Tu me vois pas venir comme la mort. Tu me vois pas venir comme la mort. Punaise. Eh oui. C'est pas grave, toujours un partout. Koba, concentre-toi maintenant. Le morceau de Zola. Oh. Tu l'as celui-ci? Ouais. Sûr que t'es belle. Mets de la salive quand tu me branles. J'habite vraiment où je rappe. Toi, je t'ai jamais vu traîner devant la boulange. Faut que les flics, faut que les balances. Faut voir ta gueule, petit bolos. Faut être armé, pas un colosse. Si je suis mauvais. Fuck les flics, fuck les balances. Ouais, fais voir pas, ta gueule, pas, petit bolos. Faut être armé, pas un colosse. Allez, je donne ma langue au chat. Tu l'as pas? Pour de vrai. On reste à un partout? Ouais. Ok. Faut être armé, pas un colosse. Le carré VIP, lui, déborde de connasse. Si je suis... Le carré VIP, lui, déborde de connasse. Pourtant, c'est... d'habitude. Qui? Non, mais le carré VIP déborde de connasse. L'habitude pour qui? Bah, je sais pas. Pour Banks. Non. Un partout pour l'instant. On continue. Let's go. C'est pour toi, Zola. Go. Morceau de Cobaladé, la C. Facile. Tu sais ton gars changer la donne, tu le savais. T'as beau les mains en pointe, ma face par sac sur les côtés. Moi je récupère, je distribue, qu'à feu chaud à sa misère. Moi j'ai pas bougé du quartier. Mais je compte plus sur le bénéfice des quêtes plats. Et j'en revends pour que j'en ai plus. Et je regarde ceux qui veulent ma place.
Il n'y en a jamais assez. Morceau de Kobalade lacé. Lacé pour la chocolatine, hein, bien allez, évidemment. Allez, donne-moi mes deux points, mon ref. Hein? Et j'en revends pour que j'en ai plus. Et je regarde tous ceux qui veulent ma place. En effet, c'était je regarde tous ceux qui veulent ma place. Allez, évidemment. 2-1. Est-ce qu'on va finir avec un ex-écho ou est-ce que... Vas-y, attends, vas-y. Ou est-ce que malheureusement c'est Zola qui va repartir avec le cadeau d'une valeur inestimable? Ah, là, il reste combien de sons là? C'est le dernier son. Ah ouais? C'est le dernier son. Vas-y, vas-y, on va. C'est le morceau Ember. Oh, ce gros carton celui-ci. Vas-y, normalement, on l'a. On l'a, normalement. Je l'appelle Ember, mais son blas c'est un. Je voulais me la ken depuis le collège, mais j'étais trop un con. Si tu m'aimes pas, mets nos gosses dans un mouchoir. Si tu me love, c'est la même. Je fume la zaza et je tombe dans un trou noir. Peu l'autre, demain la même. Je te parle à toi, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça sans une caisse claire. Je déboule dans une caisse. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens sur mon. Ah non. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Ouais. Je déboule dans une caisse sombre, tu m'as dit? Ouais. Tout ça sans une caisse claire. Je déboule dans une caisse sombre. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens sur mon. Eh bien, je peux vous l'annoncer. Le grand gagnant, les grands gagnants de ceux qui connaissent les lyrics, c'est tous les deux. Bravo à vous deux. Bravo, en effet. De partout. Zola, Kobalade, vous repartez donc tous les deux avec un cadeau d'une valeur inestimable. Chacun va se dédicacer son album. Donc voilà, comme ça, comme ça, il y a une version pour chacun. Il y a la version Zola, la version Koba. Tu sais ce que tu veux lui mettre comme dédicace, Koba, Zola? KB7, hein. Il est là, Zola, pareil, tu sais ce que tu veux lui mettre comme petite dédicace? L1, LD. Très bien, bah L1, comme ça, L2. L1, L2, c'est parfait. Allez, on écoute un morceau maintenant, c'est extrait du projet sur Skyrock, cette petite parano. Un peu parano dans ma tête. Tu connais, j'ai pris du recul. Je préfère la vie d'ensemble. Je serais plus confiant, je suis navré. Un peu souvent menotté. Beaucoup trop de fois pris en flag. J'ai trop fait pour ces petites monnaies. J'ai trop fait pour ces petits bâtards. Malgré les coups durs, on garde foi en Dieu. Les couteaux dans le dos, je les ai pas rendus. Je les ai pas rendus, je restais têtu. Je sais que j'aurais pas dû, mais j'ai recommencé. J'ai fait comme Casse-Bibi, je suis venu, j'ai pris, j'ai taillé. Bébé, faut pas me brusquer, la peine n'a pas cicatrisé. J'fais toujours semblant, mais en vrai, je suis ombre. Semblant, mais en vrai, je suis ombre. J'souris quand la quiche t'attombe. Quand je sais pas, mais j'espère passer toute l'année. On part au charbon, on perd les roses aux fans. On recompte ce qu'on a gagné et regrette ce qu'on a perdu. Parano la nuit, parano, je fume la perle. Un peu parano dans ma tête. Tu connais, j'ai pris du recul. Préfère la vie d'ensemble. J'serais plus confiant, j'suis navré. Au fond de moi, j'suis trop déçu. J'croyais qu'on était ensemble. Encore un dessin, un couteau dans la descente. J'vais pas te faire dessin. C'est juste le monde captif. À skip d'elle, je peux faire ce que je veux. Pourtant, elle est prise. Je reçois de l'amour, ok. Mais pour cette putain de haine, heureusement qu'on paie. Il faut qu'on soigne mes plaies. Hein. Je t'ai quiche ta bâtard. Donc ça bloque mon tiroir. Un passé trois, ça jovial le miroir. Je recompte mon paplard. Je passe ma balle dans l'armoire. Elle mange, je suis sombre. Ils disent que je verse des larmes. Enfin, mais j'espère passer toute la nuit. On part au charbon, on perd les roses aux fans. On recompte ce qu'on a gagné et regrette ce qu'on a perdu. Parano la nuit, parano, je fume la perle. Un peu parano dans ma tête. Tu connais, j'ai pris du recul. Préfère la vie d'ensemble. J'serais plus confiant, j'suis navré. Au fond de moi, j'suis trop déçu. J'croyais qu'on était ensemble. Encore un dessin, un couteau dans la descente. J'vais pas te faire dessin. C'est le nom de ce projet, Kobalade, Zola, Zola, Kobalade, ils sont là avec nous ce soir. Cliquez, 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 streamez. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai vu t'isoler loin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ma respiration a passé plus. C'est les remontées, on connaît, bah, je les connais bien ici.
Tu connais, là, je respecte. Voilà, bien sûr. Bah oui, dans l'album Frères Ennemis. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs après l'album? Est-ce qu'il y a une tournée, les gars? Est-ce que... Rien d'officiel pour l'instant, mais franchement, nous deux sur scène, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, ça y est, le projet, il est sorti depuis vendredi. Il est disponible sur toutes les plateformes. Je le disais, dans les magasins, avec une version aussi Zola, une version Koba, où on retrouve des titres en solo. Sur scène maintenant. On a envie de vous voir sur scène, les deux. On veut défendre l'album sur scène, donc ce serait pas mal. Ouais. Nous aussi, on veut nous voir sur scène. T'as capté ou pas? Toi, je sais aussi, tu vas aller inaugurer l'Adidas Arena, d'ailleurs. Fort, je vais être le premier. Le premier. C'est une dinguerie. Ouais. C'est assez fou. C'est la nouvelle arena qui est construite au nord de Paris, à Porte de la Chapelle. Exactement. Qui va accueillir les Jeux Olympiques cette année. Et toi, c'est bientôt, d'ailleurs, c'est l'Adidas Arena. C'est au mois de mai. C'est ça. Au mois de mai, je crois que c'est déjà blindé, il me semble. Exactement. Il n'y a plus rien. Retrouvez-moi là-bas, ça va être une dinguerie. Ça va être un truc. C'est fort parce que le concept, en fait, là-bas, c'est que c'est la première fois que je vais être. En fait, là-bas, les gradins, ils sont en hauteur. Et toi, c'est une arène, en fait. Oui, c'est et pour toi, un peu basket, c'est un peu genre... Pour... Voilà, c'est comme une cour de basket, exactement. Je vais être le premier artiste à performer là-bas, donc c'est lourd. T'as vu la scène déjà ou pas? T'as été voir? Pas encore? J'y suis pas allé. Ouais, pour voir un peu t'imprégner, je crois que ça va pas tarder à être inauguré, d'ailleurs, il me semble. Là, ok. Dans les jours qui viennent, donc t'auras l'occasion aussi de le voir. C'est le 3 mai pour toi. Ok, excellent. Peut-être que tu vas passer aussi. Là-bas, la famille. Non, bah ouais, avec plaisir. Peut-être qu'il y aura un petit passage. Bien sûr, moi, faut obliger. Dans le bon. Dans le bon. Tous les deux sur scène, on a hâte de voir sur scène. Est-ce qu'on ferait pas d'ailleurs un petit peu de live maintenant? Vas-y, je crois qu'il est l'heure. Mais je crois qu'il est l'heure aussi de passer au live. Je crois qu'il est l'heure. Mettez les casques, les gars, c'est parti, c'est l'heure du live dans Planète Rap. Live? Non, des sons de l'album, t'inquiète. C'est des sons de l'album. C'est parti. Pas là, je dis non, je fume un pétard, on dit non, on se finira sur le G. Aujourd'hui c'est non, la chore du ciment, j'y retournerai passer, non. Bloqué dans le bain, ça tire des grosses barres sur la ganja. Ils se demandent de quoi je rêve, car les gros hommes je les ai déjà. Sans un quelques euros le pain, fini les sandwichs au pain. Non, je les calcule pas, ils font la street, ils pleurent. Ou dans le rail, j'te parle sérieux, j'te parle sale. Lâché dans Paris, bourré dans le carré, tu me racontes ta vie, tu regardes. Elle a trop de suivi, il le savait, fait comme s'il savait pas. Elle a trop de suivi, il le savait. Elle est dans ce vie et je le savais. Dans ce vie et je le savais. Genre Zarma, elle veut se poser. De toute façon, je vais que baiser. Elle est dans ce vie et je le savais. Elle s'est fermée, mais je vais là, ouais. Genre Zarma, elle veut se poser. De toute façon, je vais que baiser. Aujourd'hui c'est non, elle veut venir à l'hôtel à la fin du showcase. Mais c'est mort, sauf si j'ai pas le temps. J'ai l'avion matin et j'suis pas sûr que Ken, donc c'est mort. Sors une tête. Un coup de langue, j'la déchire et j'le pète. Ça va péter peut-être, mais j'me prends pas la tête. J'ai pas ça de vin, soit ça passe ou c'est le tête. Ouais, t'es trop chelou. Je suis pas loin des quais. Je demande au bon Dieu de m'éloigner des traits. Parce que le prochain coup de pute, je vais pas le supporter. Est-ce dans le guinée ou dans le rail? Je te parle ça. Lâché dans Paris, bourré dans le carré, tu me racontes ta vie. Blablabla. Elle a trop de suivi, il le savait, comme s'il savait pas. Elle a trop de suivi, il le savait. Elle est dans ce vie et je le savais. Genre Zarma, elle veut se poser. Le bazon ne veut que baiser. Elle est dans ce vie et je le savais. Genre Zarma, elle veut se poser. Le bazon ne veut que baiser. Ma sacoche de luxe est remplie de billets de banque. Si c'est pas le cas, même pas je rentre. J'ai pas ce que c'est les papillons dans le vent. Sa mère si j'échoue, au moins je tente. Elle a fait des kilomètres sur des zizi. Mais c'est avec toi qu'elle fait la sainte. La salope. Toujours le même, n'est mieux qu'elle veut. Mais toi, méfie-toi quand elle s'absente.
J'mets du ketchup sur les hops. Pour tout ça change pas, j'peux pas me saquer les cosses. Putain, vous m'as débordé à mon cross. J'achète et j'demande pas combien ça coste. J'achète et j'demande pas combien ça coste. Pétard, j'suis glissant, c'est mieux que tu t'accroches pas. Ça déborde de billets dans ma sacoche. Coffret, je peux pas chanter sur la machine. Je peux plus remettre sur survêt. En gave avec il est maudit. T'avais tes raisons de partir. Dis-moi pourquoi t'es revenu. Ouais. Je me revois le mec et sa mère. Ouais. Pour un ouais. Putain ouais. Malentendu. C'est pour un putain de billet. On va les couilles d'être bien habillé. On va les couilles, c'est que du blême. Des bijoux pour mon bébé. Je le garde sur moi pour nous protéger. J'aurais pas Cobain si j'avais pas dealé. Et peut-être que j'aurais pas baisé si j'avais pas dealé. Je mélange la vodka Red Bull. Je me sens si bien dans ma bulle. Un peu loin de ces fils de pute. Beaucoup de haine, beaucoup de rancune. Je sais que le dernier revêt peut vraiment tout gâcher. Ma baby peut tout gâcher. Rendez-vous peut tout gâcher. C'est la merde. J'ai pris deux baveux, c'est pour tous mes problèmes. Beaucoup de cash, beaucoup d'oseille. Beaucoup de cash, beaucoup d'oseille. Montagne de billets coffrés. Je peux pas compter sur la machine. Je peux plus remettre ce survêt. En gave avec il est maudit. T'avais tes raisons de partir. Dis-moi pourquoi t'es revenu. Je me revois niquer sa mère. Pour un putain de malentendu. C'est pour un putain de billet. On va les couilles d'être bien habillé. On va les couilles, c'est que du blême. Des bijoux pour mon bébé. Je le garde sur moi pour nous protéger. Non, ton couplet mon refrain là. De Rome, tu m'agrèves au son, voilà, c'est trop carrément couplé. Non, le son il est baisé, le son il est baisé. Chaque jour je veux devenir le meilleur, chaque jour j'ai chaud. Je m'amuse au palais de Saint-Ouen sur le boulevard. Pas de coffre en vue, on va rôde comme un Baltimore. Je sais comment faire des tales avec un jambe dans la main. Je suis pas dans mon gars, je sais pas baisser ma maman. Beaucoup d'efforts sur moi, mais j'aurais pu comme avant. C'est plus mon gars, il est devant mon canon. J'ai rêve d'une lèvre de briller. Ouais. On va les chercher, elles sont pas dans les jeux. Avec des dealers, je suis dans des chiches. J'ai peut-être un micro dans ma caisse. Une salope de salope dans ma suite. Je suis bourré, je suis tout nu pendant que tu vides mon stress. Ça passe quand c'est sérieux, faut y rien ça roche. Je suis serein, ces batteries disent que j'ai serré. La camoufle, y a des seringues. Plus juste parce que j'ai souri. Chaque jour je veux devenir quelqu'un meilleur. Chaque jour j'échoue. On sort les outils des pays. D'ailleurs on tend pas la joue. Faut que ces enculés. Je peux pas reculer. Faut que les fausses pierres se vont coller. Je claque des peines dans des vivines. Je fais grave les chicots du pigeon. Baramé dans le pyjama. Amiri Jean plein d'argent. Zola cop c'est bon déjà. Zola cop c'est bon déjà. Amiri Jean plein d'argent. Aucun cul de clope dans le darçon. Zola Coba sur même son. Les problèmes de grands garçons. Toi arrête de parler, tu prends pas un sou. La journée de salaire c'est mon essence. Quand je te fais la barre elle fait le sourd. Elle voulait que ça, donc j'ai donné que ça. C'est pas j'ai percé mais je suis toujours dans ça. Toujours l'impression quand je règle que ça. Je peux plus la repasser, je peux plus remettre ça. On est sous ta vue, il est aussi qu'au ça. Clique et clique et passe des salopes. Faudra m'éteindre, personne va galoper. J'ai donné RDV à un mec pour le carotte. Et il voulait me carotte aussi. Plus je fais des pas, plus ma quitte à grossir. Libère mes gars, va libérer mes jeans. Je me fais chier pour des disques. Y'a zéro disquette, je sors mes disques. Chaque jour je veux devenir quelqu'un de meilleur. Chaque jour j'échoue. On sort les outils des pays. D'ailleurs t'en pas la joue. Faut que ces enculés, je pense le barrage, je peux pas reculer. Faut que les fausses pierres se font coller. Je claque des bends dans des bivis. Je vois grave les chicots du bijou. Baramé dans le pyjama. Amiri Jean plein d'argent. Zola cop c'est bon déjà. Zola cop c'est bon déjà. Amiri Jean plein d'argent. Aucun cul club dans le darçon. Zola Coba sur le même son. Les problèmes des grands garçons. Baramé dans le pyjama. Amiri Jean plein d'argent. Zola cop c'est bon déjà. Zola cop c'est bon déjà. Amiri Jean plein d'argent. Aucun cul club dans le darçon. Zola Coba sur le même son. Les problèmes des grands garçons. Let's go. Dans le bon. Frère ennemi dispo l'équipe. Aïe 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 aïe. Je peux pas dire que t'as pas aimé mon menteur. Ah mais régalé.
sur Skyrock. C'est le Planète Rap avec Koba Ladé, avec Koba Ladé. Frères Ennemis, c'est le nom de ce projet qui est disponible depuis vendredi. Avec des morceaux, voilà, comme on a pu l'entendre à l'instant, ses noms, un billet à Mary Jean. Pourquoi il est si particulier, un billet, tout à l'heure, Zola, tu me disais, celui-ci, il est à part, celui-ci. C'est du miel, en fait, dans l'album. Je le trouve archi doux par rapport aux autres sons. C'est vrai. Je le trouve archi doux. C'est vrai qu'il y a un peu de douceur sur celui-ci. Ouais. Moi, c'est l'un de mes préférés. Ah, il est beau, un billet. Complètement, complètement. Et c'est le premier. Je le répète encore, c'est le premier morceau qu'on a fait en studio, Koba et moi. Bon, il y avait un doute tout à l'heure, Koba, il savait plus trop, il se disait bon. Non, c'était ça. Mais c'est celui-ci, tu vois. Non, Koba. Ah ouais, non, comme il est sûr de lui, là. C'est il est sûr de lui, il est sûr. C'est celui-là. Il est sûr de lui. Merci celui-là, c'est pour celui-là. Ce joli petit Larsen, en tout cas. Koba qui nous était offert à l'instant. Est-ce que ça a été un plaisir vraiment de travailler ensemble en cabine, de faire ce projet? Est-ce que vous avez pris vraiment du plaisir? Fortement. Vrai, fortement. Carrément, ça, c'est bizarre, mais de fils de pute, en plus, moi, tu connais. Je pense que pour lui aussi, c'est le premier projet en commun, mon rêve. Ouais. C'est-à-dire que c'est une putain d'expérience, que ce soit pour moi ou comme pour lui. Et je te jure, ça déchire, mon rêve. Ouais, c'est cool. C'est cool, Bernard, ça déchire. C'est cool d'aller sur son terrain. C'est cool que j'ai pu l'inviter sur certains sons sur mon terrain. Tu vois, c'est un bon échange. Et même que ce soit les séances studio, que ce soit quand on fait de la promo ensemble, que ce soit les tournages de clips. Ah, c'est toujours lourd, frère, et vas-y, tant mieux, mon ref. Il y a une vraie belle alchimie. On est dans le bon. On va finir maintenant déjà ce Planète Rap en ce dimanche soir. Merci à vous d'être passé. On finit avec un morceau, je vous laisse choisir. Quel morceau on finit pour conclure? Extrait de l'album, extrait du projet, avec lequel vous avez envie de conclure. Et qui raconte bien cette histoire, ou un moment où vous vous rappelez que c'était sympa, qu'il s'est passé quelque chose en particulier en studio. Est-ce qu'on pourrait avoir la liste là, des sons? Bien sûr, alors je peux te la donner comme ça. Tu as Aller sans retour, Amiri Jeans, temps en temps, Ses noms, Parano, Synthèse, Mexicana, ça c'est vos solos, Un billet, Roulette russe, Dans la nuit ou Frères ennemis. Je pense que Parano c'est pas mal, t'en penses quoi, ça? Vas-y, mais on l'a pas écouté tout à l'heure déjà? Si. On l'a écouté, Parano. Oui, tu as raison, Parano, on l'a écouté. On l'a écouté, wesh, mes frères ennemis. Ah bah oui, en même temps. Mes frères ennemis. Ah oui, directement. Allez, merci à vous en tout cas pour cette soirée. Ouais. Pour, merci de nous pour avoir ce dimanche soir. Un gros bisou à ma marraine. Et bah, on fait un bisou à la marraine, bien sûr. Toujours des surprises. Et dans un sens, c'est Di Fool. La spéciale du dimanche soir avec Vincent, ça arrive. Pense que je suis son doudou. Avec moi, mon tir, elle fait tout pour moi. Encore une histoire de love. C'est charbon qui m'a formaté, je peux pas changer. Une fois la détente brisée, c'est plus pareil. C'est charbon qui m'a formaté, je peux pas changer. J'arrive dans une caisse sombre, gros son, je fais le même travail que Trayson. Laisse ça, je touche plus ça, j'essaie de fuir mes addictions. Toujours dans mes calculs, addition et soustraction. Et merde, alors je crois qu'ils puissent venir mes ambitions. Test, vas-y, essaie, la BMF va te choper. Pressé, mais pressé, je découpe la S en chap-chap. Je garde ma peine pour moi, mais quelquefois ça m'échappe. Je garde ma peine pour moi, mais quelquefois ça m'échappe. Je viens de régler un problème, je me remets dans une galère. Je retiens jamais l'action, je refais tous les jours pareil. Je te nique ta mère avec du style. Grosse balayette laser, je viens de niquer ma encore une histoire de love. C'est charbon qui m'a formaté, je peux pas changer. Une fois la détente brisée, c'est plus pareil. C'est charbon qui m'a formaté, je peux pas changer. Coucou, c'est nous. La BM est pas de choper. Vous êtes vous. Trois records sur le point. Le goudron nique ma santé. Et la peine nique ma santé. Ça fait longtemps qu'on se fait la guerre et on sait même plus pourquoi. Certains de c'était Cobbs, wesh, bien ou quoi. Je me roule un putain de joint, je lui dis fume avec moi. Elle veut pas, elle veut de la C et un paquet de Philippe Mou. Ouais, t'inquiète, c'est gratuit, tu payes avec ton âme. Ouais, t'es du riz, là, tu l'es volé, mais à cause d'une dame, ben. Ouais, à cause d'un tarpé, il a perdu sa tête. Il supplice et il fait des pour solo sur le synthé. Et peut-être que c'est que dans ma tête que je ne suis pas fait pour quelqu'un. Dans ta tête, j'espère que je rate les enfants. J'ai une cagoule car je suis quelqu'un. Je t'ai niqué avec justice, l'âge de sang sur encore une histoire de love. C'est charbon qui m'a formaté, je
Merci à vous, merci à Zola Kobalade pour cette spéciale. Dans un instant, c'est une autre spéciale, celle de la Radio Libre de Difool avec Vincent à retrouver juste après ça. Merci encore à Corentin. Rendez-vous pour le HitUS comme chaque dimanche désormais. C'est 20h, 21h la semaine prochaine. Ciao.